Si j'étais que coach, je dirais celui-là, il est surprenant, quoi. Il est surprenant, il est atypique. Il n'est pas comme les autres. Axel, c'est une force, Axel. C'est la puissance, Axel. Bosseur, machine et petit carte-boue. Il aime la compétition, en fait. Il aime ce côté challenge, ce côté faut se dépasser, faut aller battre les autres, faut se montrer en avant. Non, il est... Oui, mais on peut... Sensible, il est sensible. Surprenant. Plein de surprises. Je pense que n'importe qui du public, il dit « Waouh !» Il s'amuse là, avec son sport, et il vit de sa passion, mais il rigole. Non, il rigole pas. Ce matin, lors du Conseil de défense, le président de la République l'a confirmé, la levée progressive du confinement peut être engagée ce lundi 11 mai. Deux mois à ronger son frein. Deux mois réduits au silence. Dans une France qui se déconfine lentement, Axel Hubert reprend possession de la piste. À 24 ans, le décathlonien français œuvre dans l'ombre de Kevin Mayer. Troisième bilan français en 2019, le Normand avait coché 2020, les Jeux de Tokyo en ligne de mire. Il n'en sera finalement rien. La saison 2020 est ajournée par la crise, emportant avec elle ses objectifs, mais pas sa détermination. J'ai pris le confinement comme une opportunité. Hein. Il fallait surtout pas se dire « mince, le confinement, bah, je baisse les bras, c'est pas grave, je m'entraînerai la saison prochaine ». Je me suis dit, c'est maintenant. Si tu baisses les bras maintenant, tu vas perdre. Au contraire, façonne-toi un mental d'acier, un corps d'acier et fais tout le possible pour au contraire te servir de ce confinement pour être encore meilleur, quoi. Et je pense que j'ai bien géré cette période-là, qui était vraiment difficile, mais pour tous, quoi. Avec un record à 7810 points, Axel est encore loin des standards du très haut niveau. À titre de comparaison, les minima olympiques sont fixés à 8350. Quand j'ai appris le report des Jeux Olympiques et l'annulation des championnats d'Europe, je me suis dit non, je ne peux pas faire une saison blanche. Je suis obligé de tester toute la préparation physique, tous les entraînements que j'ai faits durant toute la saison hivernale, durant tous les mois qui ont été un peu intenses en entraînement. Je pouvais pas me dire bon bah tous ces mois-là, je sais pas au final ce que ça va donner sur une piste, quoi. Donc là je me suis dit je vais créer mon décathlon. Décathlon, bah, tu veux le faire quand? Est-ce que tu veux avoir des athlètes avec toi? Solo, à cause des conditions du confinement. Et là, je vais pouvoir vraiment savoir à quel endroit, comment je me situe dans ma préparation et quelle perf je peux faire grâce à cette préparation. Organiser un décathlon comme ça, tout seul, il n'y a qu'Axel pour le faire. De faire tout seul un décathlon, j'ai envie de dire. Au contraire. Hein. À l'été 2019, Axel s'était donné 2 ans. 2 ans pour savoir s'il pouvait vivre du décathlon. Un défi en forme d'ultimatum, lui rappelant chaque jour que le temps presse. 10 mois à travailler comme un acharné pour autant de sacrifices. Alors peu importe l'absence de concurrence, peu importe le contexte, il n'en restera pas moins que 10 disciplines, à la biomécanique parfois incompatible, doivent être disputées en 2 jours. 4 courses, 3 sauts, 3 lancers, chaque résultat correspond à un barème de points. La somme de ces points définit le résultat final. Le décathlonien est un athlète d'exception, où chacun de ses membres, de ses muscles, joue et danse une symphonie quasi parfaite.
faut que le corps il soit millimétré, c'est une partition, c'est va falloir travailler l'explosivité, va falloir travailler la souplesse. À la performance, tu as les trois composantes indispensables, c'est force, vitesse, souplesse. Si tu es fort et que tu es rapide mais que tu n'es pas souple, bah tu es une brique. Si tu es fort, que tu es souple mais que tu n'es pas rapide, bah tu es un Golgoth, mais tu n'es pas là pour pousser de la fonte. En fait, faut vraiment être complet du début à la fin. C'est ça, c'est la partition, quoi. Une partition où le sens du sacrifice est un devoir, le souci du détail, une obsession. À la veille de son décathlon, Axel vient effectuer ses derniers réglages, un dernier galop d'essai, avant le test final. Top. Tu te sentis bien là? Ouais. Alors fais-le, on va le filmer. Ouais, y a pas de temps mort. Y a pas de temps mort. Ça peut encore mieux faire au niveau des chevilles. Hein. Ouais. Ah bah ouais. Je raccourcis tous mes temps et au final, ça fait des petites amplitudes. Tout est petit. Prêt. Ouais. Meilleur cela. C'est la date de quand la dernière séance de sprint? Oui, la semaine dernière. Ouais. Ah ouais, mais c'est la semaine dernière, quoi. Ah ouais. T'as dormi, il y a l'eau qui a coulé sous le pont, et voilà, tu vois, ton cerveau, tes muscles ont oublié. Toi, imagine. Il oublie tout une semaine après. Ouais. Les sprinteurs, ils attendent pas une semaine hein, pour faire une séance. Hein. Alors pour chasser les doutes, place à la compétition. Seul juge de paix d'une préparation réussie. Pour Axel, l'objectif est double. Battre les 7810 points de son record et approcher la barre symbolique des 8000, celle de l'autre monde. Dans cette quête, la première épreuve, le 100 mètres, est primordiale et révèle souvent la forme de l'athlète. Mais avant de se retrouver seul en piste, Axel profite d'un dernier moment de partage. J'aime pas comment ça. C'est pas bien. Il est petit ton pot de miel. Hein. C'est tout ce que t'as pris? Il est petit. Non? Il rigole, non? Ouais, non, pas forcément, je sais pas. Il est énorme. Ah, si t'arrives à manger tout ça, en fait. Quand je suis arrivé sur le stade le samedi, je chantais cette confiance qui était présente. J'avais confiance à ma préparation physique, donc que ce soit en musculation, sur piste, avec mes kinés, mon masseur, mon coach sportif. J'avais toute cette sûreté, cette confiance qui me faisait dire que ok, tu vas réussir quoi. Aroma. Let's go. Du coup, première épreuve, le 100 mètres. Et j'avais pas mal travaillé dessus quand même aux entraînements. Et là, le starter part, super temps de réaction. Puis là, je sais pas, je me suis crispé sur les premiers appuis. Je me suis dit, merde, pendant mon 100 mètres, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ce que je fais à l'entraînement, là, je suis tout étriqué et tout. Et je pense que j'ai vachement récupéré sur mon milieu de course et ma fin de course. D'où ensuite aussi le 10,96 qui est un très bon chrono, même si le vent était un peu favorable. Mais sur mon début de mon 100 mètres, c'était mal parti. Un champion, c'est ça. Un champion, c'est quelqu'un qui sait dépasser les choses, qui sait se transcender. Et il a trouvé les ressources de manière naturelle. Il était
il avait un challenge, un défi, il était en compétition, en mode compète, quoi. Il a basculé, il a tourné le commutateur en mode champion. Et puis, il ne s'est pas occupé des loupés qu'il y a eu à l'entraînement. Ouais, je me dis que mon décathlon est bien lancé parce que c'est la première fois que je passe sous les 11 secondes. Donc, je me dis que la vitesse est présente. Donc, en longueur, tu as besoin de vitesse aussi. Donc, je me suis dit, ça va, j'ai les capacités pour sauter loin ce jour-là. Après avoir sauté à 7m04 lors du premier essai, Axel s'envole à 7m18 et réalise une planche parfaite. Au millimètre, un saut au millimètre. Tout le monde la voyait mordue. Moi, je la voyais trop loin. C'est-à-dire qu'en fait, il était loin de l'avoir mordue. Et en fait, on avait filmé. Et le film a calmé tout le monde. Puisqu'on a vu son pied qui était en fait au millimètre près, à zéro, sur la ligne. Ouais, c'était impressionnant. Là, je crois que c'est la première fois de ma vie où je fais une planche au millimètre près, là, comme ça. Et pendant les trois sauts de mon concours, hein, j'étais à chaque fois à 3 cm de la plasticine, quoi, au final. La gestion des émotions entre les épreuves est aussi un combat perpétuel qui fait partie intégrante de la réussite ou non d'un décathlon. Imperturbable lors des épreuves, Axel a cette capacité de déconnexion idéale pour gérer l'influx nerveux. Tout semble sourire aux Normands depuis son arrivée sur le stade. Aérien sur les deux premières épreuves, Axel est désormais aux prises avec un poids de 7 kg 260 sur les épaules. Après un premier lancé à 14,35 m, il finit par totalement se libérer lors d'une ultime tentative. 15 mètres, nouveau record personnel, sous le regard ébahi de son père. 16 heures, les épreuves s'enchaînent, son entourage s'affaire pour que les disciplines puissent se dérouler dans le strict respect des horaires et des temps de récupération d'une compétition officielle. Pour Axel, il s'agit alors de ne pas décrocher. Sous le regard attentif de ses proches, le Normand se prépare à prendre de la hauteur. Après une première barre réussie à 1m89, le décathlonien demande 1m92 pour son deuxième essai. Yes ! Deux premiers obstacles franchis sans encombre avant de s'attaquer à 1m96, la marque de son record. Une barre qui refusera finalement de s'offrir à lui. Malgré cet échec, Axel ne peut se laisser submerger par la frustration. Un concours qui laisse des traces, une petite alerte au pied, rapidement pris en charge par son kiné. Un privilège de quelques minutes, un moment de déconnexion où la pluie s'invite, mais pas de quoi perturber Axel, à qui tout réussit depuis le début de la journée. Place à l'ultime épreuve, le 400 mètres. Le 400, c'était... La plus dure des 10 épreuves. Là. J'étais en souffrance de A à Z. Hein. Pourtant, c'était l'une des épreuves que j'ai. Le 400, c'était l'une des épreuves que j'avais le plus travaillé quoi, à l'entraînement, où j'avais fait des séances vraiment où je me sentais m'envoler tellement j'avais des bonnes sensations aux entraînements. Et là, le jour de la compète, je sais pas ce qui m'a pris. Je pars sur une très bonne allure. Et là, juste avant le 200, j'ai une compression de la cage thoracique, mon souffle il se réduit, je sature d'un coup. Et quand je suis arrivé au bout là, du 400, je passe la ligne d'arrivée. J'étais tellement en mode, j'espère pas que j'ai fait une perf de merde, j'espère pas que j'ai fait 52, 51. Et donc lui, il pensait plutôt avoir fait 51 quelque chose. Et là j'entends 50-48. Du coup j'avais un petit soulagement. Forcément, quand on pense ça et qu'on a fait 50, 40 et dans les meilleures perfs de 400 en décathlon, lui était relativement content du coup. Et moi, j'ai rien vu de la course. Hein. J'ai filmé le départ et j'attendais l'arrivée. Donc, j'ai rien vu de ce qui s'est passé. Hein. Donc, j'ai pas vu s'il était si bien que ça ou mal. Donc, moi, j'étais resté dans ma tête qu'il ferait à 49 quelque chose. Quoi. Et c'est pour ça qu'effectivement, il y a un écart entre nous deux. Ouais. Parce qu'en plus, je pense que pour un 400 mètres, un tour de piste
en solo et en compétition. Quand j'en parle, ils me disent tous « Et le 400, t'as fait comment ?» J'ai fait comme j'ai pu. J'étais au bout de moi-même. ...9h30. Axel est déjà de retour sur la piste. Avant de s'attaquer au haies, le Normand comptabilise 4041 points, une avance de près de 200 points sur son précédent record. Mais surtout et toujours, la barrière symbolique des 8000 en ligne de mire. Avec un record à 14.31 réalisé au championnat de France Espoir, Axel s'apprête à franchir 10 haies, 10 obstacles dressés devant lui comme autant de pièges. Bam, boum, 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 10 boum. Et c'est vrai que ça doit être stressant pour lui de se dire attends, qu'est-ce qui se passe là? Moi, j'entendais, comme je voyais pas sa course, j'entendais toutes les haies. Mais putain, il a fini à pas tomber, taper les haies comme ça. J'ai heurté les haies, pas de façon à ce qu'elles me ralentissent. J'avais une certaine inertie sur la haie. Après, j'avais envie, quoi. J'en mordais. J'imagine, être enragé. L'épreuve de haies, c'est une discipline qui de prédilection, un peu comme le javelot. Il s'arrête derrière le javelot, mais c'est une épreuve qu'il aime beaucoup, et où il est à l'aise hein, quand même. Et, casse du bois, il touche la haie, mais s'il doit casser la haie, s'il doit passer au travers, il le fera. Quoi. Il se transcende, quoi. Il se transforme en mode guerrier. Et donc les doutes, on voit qu'il est capable boum, de... Et c'est là-dessus qu'on travaille, mais pourquoi t'as pas eu de doute, quoi? Pourquoi t'as réussi à faire focus? Pourquoi t'as réussi à t'engager sans te polluer d'un tas de choses? Sans te polluer de pensées négatives, de doutes, par exemple. Ça, faut qu'on comprenne. Des doutes, Axel n'en connaîtra pas non plus au disque. Dans la cage, le décathlonien se sublime, un jet à 43,96 m. Plus qu'un nouveau record personnel, c'est surtout un ouf de soulagement pour lui. Non, bah au disque, tu vois, j'ai cette réaction de délivrance, tu vois. Ah wow oui. Yeah wow. Yeah. Parce qu'en fait, quelques années en arrière, j'ai eu un blocage, j'ai eu une déception lors d'un grand championnat où je valais 40 mètres et que j'ai fait deux filets. Et mon dernier essai, c'était au championnat d'Europe, espoir. Au dernier essai, je fais 29 mètres. Du coup, depuis cette compétition-là, en fait, à chaque décathlon, quand j'arrive dans la cage de disque, j'ai un blocage. Et là, c'est première fois de ma vie, là, dans un décathlon, que j'arrive à me lâcher. Se libérer, Axel le fait définitivement à la perche, malgré des conditions climatiques délicates. Il franchit 4,70 m au deuxième essai. On remet les compteurs à zéro, tu relâches le cerveau, on fait un petit check sur tout pour être sûr que ça passe quoi, et qu'il n'y ait pas de faille. Une fois de plus, quand tu es dans l'adrénaline de la compète, enfin, quand tu es focus, il n'y a rien autour. Je pense que Axel il était là, mais on était autour, mais lui, les deux jours, ils sont passés en 10 minutes. Quoi. Et s'il n'y a personne qui vient te voir, de toi-même, tu peux passer à côté d'autre chose. Parce que dès qu'il a fini une épreuve, il est déjà sur l'autre. Et la petite déconnexion, je pense qu'elle est pas mal. Je vais essayer d'être un petit peu plus là-dessus après l'épreuve, qu'on prenne un petit peu plus le temps. Faut pas l'endormir. Faut pas non plus aller chercher trop d'étirements, parce que bah, l'étirement aussi endort. Mais la petite mob, la petite stimulation, le petit point douloureux, le petit réglage qui fait qu'on est au millimètre parce qu'on est au haut niveau, quoi. Place au javelot, l'avant-dernière épreuve d'une journée jusqu'alors parfaite. Un concours où Axel, javelotiste à ses débuts, va atteindre le très haut niveau. Premier essai, je fais 66 mètres, donc je bats déjà 3 mètres mon record en décathlon. Très bon augure pour la suite, parce qu'en plus, je fais 66 mètres sans avoir de douleur à mon coude, qui a été opéré. Il a tellement automatisé le geste du javelot, c'est tellement naturel chez lui qu'il n'a pas besoin de le travailler, mais il y a toujours à travailler, donc on n'oublie pas comme le javelot. J'entame mon deuxième essai,
On avait vu avec mon père qu'au premier essai, mon javelot il est parti avec beaucoup trop d'angle. Il a pris de la traîne et après il a eu du mal à repiquer. Allez, t'as plus qu'à faire ce que tu sais faire. Et là, bah, 69-33 quoi. Ouais, c'est une concrétisation. C'est le reflet de ce qu'il est capable de faire. Du coup, ouais, j'ai arrêté à partir du deuxième essai parce que j'avais déjà vécu un peu cette sensation de faire un record. Et au final, tu veux continuer. Et sur l'essai d'après, bah, tu te crées une blessure en fait. Parce que tu es tellement dans l'euphorie de ton essai précédent, dans ton record, qu'au final, tu en oublies ta technique, tu en oublies beaucoup de choses. Je l'attendais. J'espérais même. J'espérais. J'ai vraiment mûri là-dessus sur beaucoup de choses, comme cette décision d'arrêter au deuxième essai. Il continue de grandir. Il n'attend plus le coach, quoi. Ça veut dire que j'avais pas besoin d'être là, quoi. C'est vraiment ce que j'attends de lui. Hein. Reconcentre-toi, va t'apaiser et fais ton 1500. Quoi. On vit tous le 1500 de notre manière, mais je pense qu'il y a quand même, il y a beaucoup d'émotions dans notre course. Ouais. Il faut parfois apprivoiser l'enfer pour approcher le paradis. Le 1500 mètres est l'ultime épreuve d'une sélection intransigeante. Elle finit de broyer les imposteurs pour mieux y consacrer ses héros. Je suis parti avec une bonne allure et tout, et du coup, il y avait mon père qui me disait mes temps de passage. Et je me sentais faiblir, je sentais mes jambes s'alourdir. Quand on est sur cette dernière épreuve, mais on se fait des scénarios, on se fait une tonne de scénarios dans la tête. Hein, si j'accélère là, si je ralentis, il faut que je fasse tant de points, il faut que je fasse ce chrono-là. Et en tout cas, moi, dans ma tête, c'est comme ça. Et je pense qu'un jour, si j'arrive à libérer tout ça et être focus vraiment sur ma course et tout, ça ira un peu mieux. Tu sens que des fois, il veut te dépasser. Donc, je sais pas, quand c'est comme ça, tu sais, je me dis, il faut que je sois devant. Tu vois. Alors qu'en fait, j'aurais dû peut-être rester à 19, mais je me mets à 19,5, je me mets à 20. Il y a un moment, il repasse avec... le vent dans la tronche et ça lâche et puis il arrive à 18. Allez, puis j'ai pas envie de me barrer, tu vois, j'ai envie de rester là, j'ai envie de rester à côté, puis j'ai envie de lui dire allez mon gars, je vais te tirer même si au final je ne le tire pas parce que je suis même pas dans sa ligne. En fait, comme j'ai dit, hein, la course du 1500, en tout cas moi comment je la vis, des fois je me déconnecte totalement, mon corps il court tout seul. À un moment je repense à toute ma préparation, je fais putain, j'ai fait des entraînements hyper durs, faut que tu montres que tu vaux ce que tu fais à l'entraînement. Et vraiment, il y a plein de choses qui se passent. Et c'est pour ça qu'au final, je déteste le 1500, mais je l'aime aussi à la fois parce que ça montre vraiment les décathloniens. On pèse plus de 80, 85 kilos. Il y en a qui font 90. Et nous voir courir cette dernière épreuve à une allure quand même soutenue, c'est beau. Quoi. Et puis à la fin, quand il accélère, je suis pas capable de rester à 19 quoi, parce que je veux l'emmener au bout. J'ai fini mon 1500, j'ai cru que j'allais faire un malaise. C'est bon. Ça finit à 25 km. C'était la fin de deux jours intenses et j'avais vraiment envie de savoir le total et remercier tout le monde aussi. Tout ce travail juste pour ça, pour quelques secondes là. Ouais, c'est des secondes, ça fait oublier tout, quoi. Je fais tellement d'entraînement seul, difficile avec mon père. Et là, je pense que j'ai fait les 10 points. Ouais, bravo. Et c'est trop beau, quoi, et puis le voir. C'est un émotif, mais...
Mais le voir pleurer, pleurer de joie, nous voir pleurer de joie, c'est... Ouais, c'est ça. Pour la première fois de toute ma vie, je me suis consacré à 100% à l'athlétisme. 4,70 m, 69, 33, c'est bon. Et 4,40, c'est bon. 4,40, combien? 68. Ouais, c'est ça. 680. Ah oui, on met pas des centièmes. Du coup, le score. 8113 points. J'ai tout donné pour l'athlétisme, quoi. Pour le décathlon. Même si c'est pas officiel, il s'est créé un bonheur. Je me sens capable maintenant. Je me sens plus capable et j'ai confiance en moi. Pour les prochaines fois, je sais que je suis capable de réitérer cette performance-là en conditions officielles, quoi. Si sa performance ne peut être considérée comme officielle, l'histoire retiendra que ce week-end-là, Axel Hubert est officieusement entré dans un cercle très fermé, celui des 16 Français ayant franchi la barre des 8000 points dans l'histoire du décathlon, écrivant ainsi l'une de ces innombrables légendes méconnues que seul le sport recèle.